Dans cette vidéo, je vais résoudre tous les speed cubes de ma collection. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je vous remercie fortement puisque nous avons atteint les 100 abonnés de la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à le faire. Et pour cette occasion, dans cette vidéo, je prends mon courage à deux mains et surtout ma patience parce que je vais résoudre tous mes speed cubes, incluant presque tous les events WCA, d'ailleurs surtout du 3x3 grâce au sponsor de la vidéo. Évidemment, il y a quelques cubes que je ne ferai pas et je crois que vous avez compris pourquoi. Je crois que ça va quand même me prendre pas mal de temps parce que en plus je dois porter une attelle qui me dérange quand même pas mal. Mais un timer de speed cubing, ça ne chronomètre seulement jusqu'à 10 minutes de résolution maximum. C'est vraiment pas beaucoup, mais je compte largement les dépasser. Donc je vais utiliser un chronomètre classique sur mon téléphone. Mais avant de commencer la vidéo, je vous présente le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par AdoCube. AdoCube est une énorme boutique en ligne de speedcube sur laquelle vous pouvez retrouver tous les speedcubes que vous voulez acheter. Au moment de votre achat, n'oubliez surtout pas d'utiliser le code promo HyperCube pour bénéficier d'une réduction sur votre commande. Et merci beaucoup à AdoCube qui me prête 35 3x3 pour me compliquer le challenge. D'ailleurs, pour vraiment être juste, je vais utiliser des vrais mélanges 16 timers. Et je vous assure que c'était vraiment très long à mélanger tous les cubes. Je crois que l'on peut commencer la vidéo. On va pas faire une énorme tour de cubes parce que j'ai pas envie que tout tombe. Je crois qu'on peut commencer à mélanger tous les cubes. Ça commence bien. Et le premier est terminé. Ce n'est encore que les 35 cubes que AdoCube me prête. Maintenant, on passe à mes speed cubes. J'ai posé ici tous mes speed cubes que j'utilise et on en a vraiment beaucoup, surtout si en plus on ajoute les 35 cubes que AdoCube me prête. Maintenant, on va résoudre tous les speed cubes qu'on vient de mélanger. Et voilà, j'ai posé tous mes cubes. Et maintenant, je vais résoudre tous ces cubes. C'est un grand moment, je vais commencer le premier cube. Thank you.
avons terminé de résoudre tous ces speed cubes. C'était plutôt long, 35 minutes 14 secondes et 27 centièmes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.